Et salut à toutes et à tous, c'est Daniel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo extrêmement spéciale en compagnie de Sandro Trace. Et tout le monde, c'est Sandro Trace, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Daniel. Voilà. Donc, aujourd'hui, on doit vous parler d'un sujet très important. C'est qui correspond à un changement tout à fait important, lui aussi, sur la chaîne YouTube. Dines Gaming, on l'appelle. Oui, voilà. Donc, je te laisse aborder ce point très important. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, le nombre de vidéos de gaming ont relativement chuté, hein, pour parler d'une, voilà, d'une désévolution drastique de moins 160%. On dit le cours de l'or en 1976, comme ça. Exactement, avec le système d'accordement. Enfin, bref, tout à fait. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'il dit, François Fillon ? Voilà. Parenthèse politique close. Nous n'avons pas pris de drogue. Pas encore. Pas encore. Non, bref. Tout ça pour vous dire que donc, dans les commentaires et même en MP, certains se sont demandé si les vidéos gaming allaient continuer. Et nous sommes au regret de vous dire que les vidéos gaming vont s'arrêter. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme vous le savez, nous sommes en études supérieures tous les deux. Hein, enfin, plutôt moi plus que lui. Bon, moi, elles sont pas tellement super, mes études, mais bon, c'est des études quand même. Voilà, exactement. Et donc, on n'est plus dans la même classe comme nous l'étions en terminale et en première. Et en seconde. Tout à fait. Et donc, ce qui faisait qu'on pouvait se caler les heures de vidéos, tout ça, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Pour faire corréler nos emplois du temps, ça devient très compliqué. J'ai quand même utilisé le mot corréler. Corréler, tout à fait. J'en prends note. J'en prends note. Et voilà. Et donc du coup, comme c'est plus compliqué, ben on va arrêter les vidéos gaming. D'autant plus que c'était pas vraiment ce qui fonctionnait sur la chaîne. Hein. Ce qui vous plaît le plus, c'est les Lego. Donc voilà, ce qui fait que ben on va donc arrêter les vidéos gaming pour la quatrième fois en à peine 2 minutes. Voilà. Donc, de parler de Lego, nous allons recentrer l'activité principale de la chaîne, les vidéos, presque toutes en fait, sur le Lego. Tout à fait. Qui est ton point fort. Qui est mon point fort, qui est mon domaine de prédilection, comme vous le savez. L'un de tes points forts. L'un de mes points forts, ça va, parce que j'en ai que deux. Donc, donc nous ne dirons pas le tien. Exactement. Donc oui, voilà, comme vous le savez, c'est... Alors oui, parce que en plus, comme ça, cette petite parenthèse, hein, cette petite vidéo vous permet de bien visualiser que sur la chaîne, il y a deux personnes, parce qu'il y en a qui avaient encore du mal. Donc Daniel, qui est là. Et Sango Trace, hein. c'est moi qui fais les Lego. Et c'est moi qui fais rien. Exact, c'est lui qui prend l'argent des abonnés et qui part au Bahamas. Moi, je tiens quand même à vous signer. On avait pas dit aux Seychelles. On avait dit aux Seychelles, mais on avait dit aux Seychelles. C'est pas grave. C'est pareil. C'est très bien aussi. Donc voilà, donc, ce qui fait que je vais être le seul à faire des vidéos, enfin, pour 99% du temps. Et donc, bah, on va continuer nos projets Lego, on va continuer le Temple Jedi. D'ailleurs, j'en ferai un tout petit, j'en toucherai trois mots à la fin de cette vidéo. Et voilà, donc ce qui fait que Daniel va presque complètement disparaître de la chaîne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais toutes les vidéos gaming sont passées en privé. En privé non répertorié. Tout à fait. Tellement honte d'elle que non, c'est vous enlever. Voilà, mais c'est juste que on veut concentrer l'activité sur les Lego, il faut montrer que c'est principalement une chaîne de Lego. Quoi. Tout enfin, à fait. Il n'y a que des Lego dessus, qu'il n'y a pas des vieilles vidéos datant de 2012 où nous avions des voix... Tout à fait magnifique pour certains d'entre nous. Tout à fait pas muet. donc voilà. Donc ce qui fait que ce changement de contenu, enfin ce changement non, mais cette continuité de contenu Lego va entraîner plusieurs changements. Daniel, je t'écoute pour le premier. Alors le premier changement sera un changement de nom de la chaîne. Tout à fait. Actuellement, on s'appelle DNS Gaming. Pour des raisons qui me sont inconnues. Daniel et Sango 13. Daniel, Sango 13, quand vous avez du gaming. Voilà, exactement. Sauf que... Petit problème qui va s'imposer. Bon, il n'y aura plus trop Daniel, il n'y aura plus trop de gaming. C'est mineur. Alors bon, et... le nom n'est plus trop en accord avec le contenu. Exactement. Donc, c'est pourquoi nous allons renommer la chaîne en un nom que vous allez nous donner peut-être si vous avez des idées. Voilà. Ce nom devrait contenir Sango Trace et Lego. Voilà. Donc vous pouvez faire un mixte genre Sango Trace Lego, mais c'est pas beau. Voilà. Mais après, vous pouvez cutter mon prénom. Mon pseudo, par exemple, Sango, ça marche aussi. Hein. Peut-être certains le savent, il y a eu au bout d'un moment une création d'une pseudo-chaîne parallèle qui s'appelait... Sango Lego. Sango Lego Production. Un nom carrément trop long. Mais vous pouvez vous servir de ce genre de choses, voilà, pour créer le nom. Donc, on laisse quoi? 2 semaines? Oui, 2 semaines. 2 semaines. Donc, vous avez sur YouTube, sur les commentaires, vous avez sur Facebook. De toute façon, tous les liens seront dans la description.
comme d'habitude. Ouais, exactement. Vous avez sur Twitter aussi, puisque c'est vrai qu'on est quand même une chaîne relativement présente sur le sur les réseaux sociaux, en tout genre. Hein. Exactement. Hein. Vous avez sur YouTube, on l'a dit. On l'a dit. Donc voilà, donc vous avez à peu près 2 semaines pour trouver un nom de chaîne qui s'appliquera. Donc voilà. Et deuxième changement, et cette fois-ci, c'est pas qui veut l'aborder, parce que sinon tu vas tout faire dans cette vidéo, c'est qu'on va changer la charte graphique, et finalement, c'est toi qui vas l'occuper. C'est moi qui vais m'en occuper. Ouais, donc, pour l'instant, enfin, j'avais déjà fait l'ancien design de la chaîne, mais sauf qu'il y avait genre des Lego, du Minecraft, Hearthstone, des jeux en tout genre. Et comme on ne fait plus que du Lego, voilà, tu fais une crise d'épilepsie en même temps. Comme on ne fait plus que du Lego, enfin, il ne fait plus que du Lego, il va falloir refaire un design de chaîne à peu près en accord avec ça. Tout à fait. Beaucoup les mains. Ouais, tu es très italien. Tout à fait. Ouais, donc on va faire un design plutôt simple mais efficace. Tout à fait. Je n'ai absolument aucune idée pour l'instant. Bon, mais c'est pas grave, ça arrivera plutôt vite. Seulement, et là je te demanderai une musique épique sur ce montage. Tout à fait. Parce que nous on fait des montages. Vous l'entendez, qui monte. Voilà, vous l'entendez, là vous sentez un peu ça vous prend en trip. Le fait que tu t'en ailles, tu ne pars pas définitivement. Non, je ne m'éclipse pas de la chaîne. Un petit peu. Mais je reste dans le groupe Daniel Sangotré, Sangotrice Daniel quand même, hein, qui va continuer, qui va perdurer, qui va à perpétuité. Tout à fait. Hein, parce que je vous rappelle, c'est comme on devient millionnaire, on va se mentir. Voilà. Évidemment, l'argent des abonnés nous revient de droit. De droit. Donc, nous allons créer, enfin nous, je, il, avec des conseils peut-être, sûrement même de Sangotré, nous allons créer un site web. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y aura sur ce site web, vous me demandez? Des webcams, non. Très bonne question. Alors premièrement, il y aura une page d'accueil. C'est plutôt efficace. Sur cette page d'accueil, il y aura des liens. on est très très bon. D'après mes études, je sais faire ça. Quoi, une page d'accueil, on rappelle, il est quand même en études d'informatique. Voilà, et l'informatique, ça me connaît. Et tout à fait. Il connaît l'informatique. Oui. Pas très bien, mais... Mais voilà, les deux se connaissent, c'est un très beau. Voilà, donc pour revenir aux choses sérieuses. Sur ce site, il y aura toutes les nouvelles vidéos que Sangotrace et éventuellement moi, dans un futur proche ou lointain, et plus ou moins réaliste, toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Tout à fait. Il y aura aussi du contenu par rapport à l'histoire de la chaîne, un peu comment on s'est rencontré, comment on a créé la chaîne, comment nous est venue l'idée de commencer tout ça. Tout à fait. Il y aura une présentation de Sangotrace et une présentation de moi-même. Peut-être avec une photo, des trucs comme ça. Voilà, un peu ce qu'on fait dans la vie, ce genre de choses. Pourquoi pas? Je pensais aussi peut-être mettre des choses par rapport au Lego. Je ne sais pas s'il y a des grosses news dans le monde du Lego. Ou mettre même des amis qui sortent des grosses vidéos, des projets importants. Voilà. On parle un peu sur le site web, des choses comme ça. Je vous rappelle que, genre, vite comme ça, petite page partenariat, oui, parce que sachez que cette vidéo a été sponsorisée par la plupart des youtubeurs avec qui on s'entend très bien. D'ailleurs, je vous le dis, j'attends toujours ton chèque. Voilà. Non, mais voilà, bien évidemment, vous savez. Sur PayPal, ça marche aussi. Oui, ouais. Par la poste. Non, mais vous savez qu'il y a eu des partenariats. Donc voilà, comme l'a dit Daniel très justement, peut-être que vous retrouverez des vidéos de. Ouais. De les gros trucs. Donc voilà, après, si vous voulez apparaître sur la chaîne, bah, c'est de la pub, hein, donc va falloir chiffrer les cocos. Hein. Tout ça dans la description. Ah là, bien évidemment. Non, mais il va tenter de créer vraiment un site assez amical, petite famille. User friendly, comme voilà, dans exactement, métier, exactement. Et si vous avez d'autres suggestions par rapport à ce qu'on pourrait mettre sur ce site web, n'hésitez pas, parce que pour l'instant, c'est juste un début de projet, donc on ne sait pas. C'est pas trop encore comment ça va aboutir, mais si vous avez des suggestions, des idées de choses qu'il faudrait absolument mettre sur un site web comme ça, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça me ferait très plaisir. Ouais, tout à fait. Donc on se fixe quoi? On se fixe la sortie du suite web, en gros, début des vacances d'été. Début des vacances, milieu des vacances, ça dépend comment j'aurai le temps de travailler d'ici là. Voilà, en tout cas, avant la rentrée de l'année prochaine, on se dit que le site est sorti. Ouais, normalement, le site web devrait être fonctionnel. Fonctionnel, parfait. Donc voilà, c'était. Alors, c'est pas la fin de cette vidéo, on a encore 2-3 petites choses à aborder, mais c'est en gros le plus gros point de cette vidéo, hein, le fait qu'il y ait une scission au niveau de la chaîne, hein, puisque du coup, c'est moi qui vais en devenir presque l'unique propriétaire. Donc voilà, donc on fera des goûters parties, des randonnées équestres et pédestres. Non, équestres, pédestres, les deux. Soyons fous. Et voilà, mais de temps en temps, hein, et puis ça nous fera tous extrêmement plaisir, Daniel passera sur la chaîne une petite vidéo
Donc voilà, il y aura moyen de faire un truc assez cool. En tout cas, voilà, ça va être un nouveau départ, un second souffle pour la chaîne. Oui. Puisque vous savez, voilà, il y a eu, bon, même si ma vidéo est sortie il n'y a pas longtemps, il y a eu quand même un petit moment d'arrêt pendant lequel on discutait de ce projet. Et oui, tout à fait. Qui ne sort pas. Qui ne sort pas de nulle part. Et non, exactement. On n'a pas eu l'idée au moment où je suis parti aux toilettes juste avant de tourner cette vidéo. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. C'est pas grave. Mais voilà. Mais en tout cas, bravo Daniel pour tout ce que tu as fait. J'ai pété le micro. Ouais, je sais que j'ai pété le micro. Mais parce que j'ai. Et puis, c'est pour les trois que j'ai dit. Oui, ça fait. Voilà, en tout cas, je vous demande à toutes et à tous. Et non pas à toutes, seulement parce que moi je pense aux garçons aussi. Oui, c'est fait. Vous verrez bonus à la fin. Oui, vous perdez. Ouais, exactement. Je vous demande à tous un hold-up pour Daniel qui aura été présent sur la chaîne pendant 3 ans, puisque on le rappelle, chaîne créée en 2013. Tout à fait. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on se connaît. Donc voilà, je vous demanderai de l'accompagner vers la sortie de la meilleure façon qui soit avec... une tonne d'applaudissements, des petits mots gentils, sinon c'est simple, je débarque chez vous et puis... Je casse la gueule, hein. Exactement, j'ai des amis très qui musclés. Sortent de prison. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et enfin, très fin. Très fin, oui. Et puis ils aiment beaucoup les enfants, donc ça c'est... Comme vous êtes tous des enfants. Exactement, on le sait tous. j'aborde comme ça rapidement donc les petits points sur les réseaux sociaux, de toute façon vous pourrez tout retrouver en description, mais voilà, maintenant on est présent sur Facebook, Twitter, tout à fait. Google+, tout à fait. très gros réseau. Ouais. Très gros réseau. Instagram, tout à fait. Tout à fait. Et maintenant sur notre site web qui n'a pas encore de nom, sans nom. Non, mais qui y arrivera bientôt. Et tout à fait. Donc beaucoup de tout à fait. Tout à fait. Alors voilà, c'est comme ça, tout à fait. donc voilà, ça va être vous pourrez nous retrouver vraiment partout. J'en profite rapidement pour vraiment parler du temps parce que j'avais dit que j'en toucherai 3 mots. Je sais plus ce que je voulais dire. Et si que du coup, le temple finira sa construction en avril, à peu près, hein, suivant mon état d'avancée. Mais normalement, voilà, on devrait toucher à la fin de la construction en avril. Donc, ce qui fait qu'à partir d'avril, on commencera un très gros projet sur lequel je suis déjà en train de travailler. Enfin, un très gros, un moins gros que le temple, mais un beau projet quand même. Donc voilà, on va vraiment essayer d'élever notre niveau de construction au niveau des Lego. Et puis voilà, on voulait terminer cette petite vidéo en vous remerciant puisque à l'heure où on la tourne, on est presque aux 500 abonnés, le demi-millier. Tout à fait. Voilà. Donc malheureusement, Daniel nous quittera avant le millier. C'était quand même un objectif pour cette équipe. Ah, mais je ne vous quitte pas tout à fait. Il ne nous quitte pas totalement, mais bon. Je serai toujours là dans vos cœurs. Exactement, dans le mien. C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est magnifique. Donc voilà, un demi-millier, c'est quand même déjà quelque chose de fou. Nous, on ne s'attendait pas à ça. Ah, parce que bon, vous le verrez sur le site, mais c'est vrai que quand on a créé la chaîne, c'était vraiment pour déconner. Ouais, c'était un petit. C'était un petit délire entre, petit délire comme ça, entre potes. Et voilà, et maintenant on arrive à c'est presque 500, donc ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Je me souviens déjà quand on avait passé le cap des 100, hein, qui est pourtant pas un cap de fou. Le cap du premier abonné. Déjà le cap du premier abonné. C'était ton compte, tu l'as, il me semble. Ouais. Malheureusement. Et les 7 premiers. Et bah, comme tout le monde, voilà, à la centaine, bah, je crois que t'as tout à fait pour créer du coin. Ah bah oui, là, Google Plus, là, c'est ça. Google Plus, ouais, c'est ça. Enfin bref, vous aurez tout ça sur le site, peut-être. Tout à fait. Donc voilà, on va arrêter de blablater parce que sinon la vidéo va être carrément trop longue. Et puis surtout qu'on commence à ne plus rien dire d'utile. Ça fait environ 10 minutes qu'on dit plus. Sans doute toujours bon pour ce midi. Tout à fait, c'est ça. Voilà, exactement. Enfin bref, et bien du coup, on vous remercie pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le départ, qui nous ont pris en cours de route, qui ont connu Daniel en cours de route, hein, ceux qui l'ont connu sur Twitch, parce qu'il y a eu une époque où on faisait des lives, c'est vrai. Oh oui. Voilà, donc cette époque qui révolue. Mais voilà, merci à tous et à toutes. De nous avoir suivis jusque-là. La chaîne continue sans Daniel qui sera sur le site, qui passera de temps en temps, mais ne vous inquiétez pas, il reste avec nous puisque nous formons un duo indissociable, je le répète, indissociable. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, je sais pas si c'était un dernier petit mot à ajouter. Non, mais écoute, on se reverra bientôt au détour d'Internet. Tout à fait. Hein, n'oubliez pas d'aller checker son petit compte Twitter. Oui, et mon compte PayPal aussi. Allez plutôt d'abord checker son compte PayPal. Oui, ton compte Twitter, @Daniel. Quelque chose dans la description, toujours. Toujours dans la description, voilà. Ouais. Et puis, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu
Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a touché au fond du cœur, au fond des tripes, au fond du... C'est tout. C'est tout. Pas plus loin, pas plus de détails. Exactement, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt donc, sur la chaîne pour des nouvelles vidéos Lego. Et cet été, pour l'ouverture du site, je pense qu'on fera une petite vidéo ouverture. Oui, sûrement. Un petit live, un petit truc, un machin. On se débrouillera. Sûrement au Bahamas, hein, parce que du coup, c'est là qu'on sera cet été. Voilà, exactement. Merci d'ailleurs pour vos dons. Hein. Voilà, vos dons nombreux et très généreux d'ailleurs. Pas très, du tout. Très généreux. Très, très généreux. Hein, voilà. Et puis, bah, je pense qu'on va clôturer cette vidéo en beauté avec la fanfare. Ils sont pas encore arrivés. T'as pas appelé la fanfare? Non, j'ai oublié. Merde. Bah, j'ai tout passé dans le voyage au Bahamas. Hein. Je peux plus les payer. Ah, on a pas eu assez de dons? Non. On m'a fait des dons pour la fanfare. Bon, sur ce, on vous remercie encore une fois. On vous fait à tous de très très gros bisous. Et à toutes de très très gros bisous. Surtout à toutes. Surtout à toutes. Et on vous dit la prochaine. C'était Daniel et son Gotrace. Peace. Salut. Bon, allez. C'est parti. Ça marche si je fais ça? Non, c'est pas. Bon, allez. Oui, il peut pas être sérieux. Moi, je suis trop sérieux là. J'y arrive pas. J'ai extrêmement mal au dos, vous me comprenez. Je dois faire une hernie fiscale donc. Allez, du moment que c'est pas une hernie fiscale, ça c'est plus. Bon, bref, t'as compris. François Fillon, c'est tout. J'arrive pas à le lancer. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Daniel. Bienvenue dans cette vidéo. En direct, t'as été capturé. Merci pour les revendications d'Al-Qaïda. Je demande. Je demande à l'État français de reverser 150 millions d'euros pour ma libération. Et ça sur le compte de Sans Godrace. Tant de blé pour paypal.com sur Sans Godrace. Ah oui, le code c'est 1225. Et salut à toutes et à tous, c'est Daniel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement spéciale en compagnie de Sans Godrace. Si, bonjour, c'est moi. Voilà. Voilà, il a ruiné l'intro. Bon, ouais, c'est quand même la vidéo. Il y a 28 secondes dans les précédentes vidéos. Non, mais attends, on va peut-être le reculer un peu parce que, genre, on parle relativement fort. Donc, je vais baisser le volume. Et salut à toutes, c'est Daniel. Salut à toutes. Mais quoi, du tout là? Mais quoi, du tout là? Je vais te faire. Et salut à toutes, c'est.